Les amis, c'est Slap, on se retrouve sur Cyberpunk 2077. Aujourd'hui, on va voir un glitch d'invincibilité. C'est aussi simple que ça. Tu es invincible à tous les tirs, pas de dégâts de chute. Et en plus, c'est simple à activer. Tout ce qu'il te faut, c'est d'avoir encore cette quête secondaire dont on va parler. Send in the clowns. Tu vas rencontrer un type avec une grenade à la place du nez. Tu peux pas le rater, ce mec. Si tu l'as déjà croisé, que t'as déjà fait cette quête, ça va être compliqué. C'est un glitch, donc les glitchs, c'est un jeu solo, faites ce que vous voulez, mais c'est à utiliser avec modération. C'est parti. Donc pour faire ce glitch, il faut avoir la quête secondaire Sending the Clowns. Pour avoir cette quête secondaire, il va falloir finir la mission principale I'll Walk the Line et Transmission. C'est une suite de quêtes avec les Voodoo Boys, où il y a un boss Animals vachement costaud. Bref, après ces deux missions, Ozob... Le mec en question, Ozob là, il va vous envoyer un SMS. Donc tu l'appelles pour accéder à cette quête. Ce Ozob, il va te demander d'aller à une localisation et de klaxonner. Tu le fais. Et voilà, Ozob, il va te demander après d'aller à une localisation à Japantown. Et juste avant d'aller à cette localisation, il va falloir faire un truc. Ok, et juste avant d'aller à la première localisation qu'il te demande, il faut avoir les flics. Donc t'écrases des gens, t'en tues, tu fais ce que tu veux, mais il te faut les flics au cul. Voilà, c'est fait. J'attends qu'ils apparaissent. Voilà, il y en a un là, on va le 1. Voilà. Ah, bah je l'ai raté. C'est bon, j'ai les flics. Elle est où mon étoile là? Allô, je suis là, tirez-moi dessus. Merci. Bon, ils comprennent pas. Hein. Voilà. Ah, voilà, là t'as compris là. Je suis un dangereux psychopathe. Quoi? La grenade. Voilà. Et maintenant qu'on a les flics, on va se garer. Et c'est là que t'as réussi le glitch. Dès qu'il va sortir, il va falloir spammer le bouton sortir. Donc moi c'est B, sur PS4 et PS5 c'est rond. Et sur PC j'en ai aucune idée. Donc allez sort, voilà, et là tu spammes. Je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Et dès que tu vas pouvoir sortir, il va falloir partir. On continue. Jusqu'à ce que je puisse sortir, pardon. T'inquiète, normalement c'est d'attendre aux hommes. Il va chercher du poulet. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ça peut marcher le glitch là? Ah oui, mais il est lent aux obs. Ah, il marche comme ça quoi. Ok, c'est bon, il est rentré dans son truc. Je continue de spammer, voilà, je sors. Tu te barres. Ça va fail la mission en fait. Et c'est ce qu'on veut. Donc je me barre. Et j'attends que la mission fail, qu'on ait raté la mission quoi. On a raté aller chercher le poulet. Bon boulot V. Et par bon, je veux... Ok, il t'envoie un SMS, je crois que c'est pas important. Et après ce SMS, à gauche, il va y marquer la quête Send in the Clowns et ça aura pas marché, quoi. Voilà, exactement, échec de la mission. Et à partir de ce moment-là, bah c'est fait. T'es invincible. On va vérifier ça tout le temps. Tout de suite, pardon. Je veux les flics, quoi. Allô, allô, où sont les flics? Je fais des choses pas bien. Voilà. Vas-y, vas-y, bah tente hein. Donc je suis à 378, ouais. T'es invincible hein. Vas-y, tire-moi dessus toi aussi. Attends, on va ramener plus de flics possible. À la GTA. Je suis invincible les amis. Voilà, comment break le jeu. Bien entendu, à utiliser juste pour le fun. Faites pas le jeu comme ça, ce serait stupide. Très important, j'allais oublier, mon dieu. Faites une sauvegarde avant, parce que là, il n'y a plus moyen de retourner en arrière. C'est-à-dire que vous serez invincible pendant tout le jeu, pardon. Fais pas ça, ne fais pas ça. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Abonne-toi, like la vidéo pour me soutenir. Commente-moi n'importe quoi, mon ami. J'ai un Twitch, j'ai un Discord, j'ai un Instagram. Ah!